Salut, j'espère que vous allez bien, vous les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Sachez qu'on se retrouve encore une fois pour un haul Shein, mais un haul Shein vraiment très différent de ceux de d'habitude, hein, très clairement, parce que j'ai décidé de tester les accessoires pour animaux de chez Shein. C'est une vidéo qui m'a été demandée quelques fois. C'est vrai qu'il y a quelques temps maintenant, en plus il y a un moment, j'avais reçu quelques petits messages de votre part en me disant de les tester. Et moi-même, de mon côté, j'avais envie de les tester, mais voilà, c'était jamais fait parce que Bully avait déjà beaucoup de choses, enfin voilà. Mais là, sachez que je suis en train de refaire tout le coin de Bully, on va dire ça comme ça. Donc la vidéo sur l'aménagement du coin de Bully va sortir normalement dans quelques jours. Normalement, c'est la prochaine vidéo si tout va bien, ou sinon ça arrive dans les prochains jours, parce que déjà, je devais la sortir il y a 3 semaines et... Bah, je suis en retard, donc à un moment donné vous inquiétez pas, ça arrive. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà j'aimais pas trop ce qu'il avait, et en plus de ça il y avait certaines de ses affaires qui étaient abîmées parce que voilà, enfin c'est un lapin quoi, donc si vous avez un lapin vous comprenez. Donc j'ai dû jeter pas mal de choses que je lui avais acheté depuis que je l'avais, en fait, puisque j'ai adopté Bully bah, il y a un an, et je l'avais adopté fin septembre, donc il y a bientôt un an. Je précise que si jamais vous faites partie de ces gens qui ne comprennent pas ceux qui achètent plein de trucs pour leurs animaux, etc., et ben ne regardez pas la vidéo, tout simplement parce que clairement j'ai acheté plein de trucs pour Bully. Donc voilà, ne quittez la vidéo maintenant parce que je vous préviens, c'est un peu kitsch. Hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'allez pas être choqués par tout ce que j'ai acheté parce que ça me représente entièrement, et vous savez à quel point je suis complètement gaga de mon lapin. Donc voilà, sachez qu'il y a également quelques trucs qui iront chez mes parents, parce que bah, bien, Bully va souvent chez mes parents dès que je pars en vacances, un week-end, etc. Bah, c'est mes parents qui le gardent, et il a toute ma chambre pour lui, parce que j'ai littéralement transformé mon ancienne chambre chez mes parents pour Bully, et moi du coup je me retrouve à dormir dans le bureau, dans un petit lit. Enfin oui, je sais, j'abuse un peu, mais je sais pas, j'arrive pas à le laisser en cage, en fait je suis incapable. Donc faut qu'il ait minimum 15 mètres carrés pour lui tout seul. Donc je me suis dit je vais mettre quelques trucs aussi, parce que du coup il a pas grand chose en fait chez mes parents. Donc je me suis dit je vais mettre quelques petits trucs, comme ça il sera encore mieux là-bas, hein. Comme s'il était déjà pas traité comme un roi, qu'on se le dise. Enfin bref, cette intro est bien trop longue. En tout cas, on se retrouve pour un petit haul spécial accessoires pour animaux. Je précise que tout ce que j'ai acheté, c'est soi-disant pour les chats et les chiens, parce que évidemment, comme d'habitude, il n'y a rien pour les lapins. Mais sachez que si vous avez un lapin, juste allez voir au rayon chat, au rayon chien, il y a tellement de trucs pour les lapins. Et je vais commencer par la pièce coup de cœur. Sachez qu'il y a des trucs que Bully a testé, on va dire ça comme ça, et d'autres qu'il n'a pas encore vu. Mais ouais, il y a certaines choses qui sont déjà testées et approuvées, dont ce big tunnel léopard, voilà. Non mais quand j'ai vu ça, les gars, mais comment résister en fait? Genre, parce que des fois je me dis, il y a ça aussi, genre il y en a, ils critiquent trop, mais hey, à un moment donné, ça prend la moitié de ma salle à manger. Donc moi, si je peux avoir des trucs qui sont beaux, je suis preneuse, tu vois. Et comme vous le savez, j'adore le léopard et j'ai acheté un énorme tunnel. Il est vraiment énorme. Et en gros, moi j'avais déjà un tunnel que je déteste, il est trop moche. Donc déjà je suis contente d'en avoir un beau, et surtout celui-ci en fait il a deux ouvertures comme ça du coup, mais c'est hyper drôle. Je vais essayer de vous mettre des vidéos de toute façon de Bully dans son tunnel, mais en fait du coup quand il passe dedans, genre il s'arrête là, il regarde, ensuite il s'arrête là, il regarde. Mais vraiment je vous jure, mais j'ai tellement rigolé en fait, et ouais vraiment il est trop top. Bon, par contre il y avait des pompons à l'intérieur, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Celui-ci est encore là, l'autre est déjà mort, hein, il a déjà arraché, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, vraiment ce tunnel 10 sur 10, si vous avez un lapin, je vous le conseille à 10 000%. Et je vous conseille un tunnel dans tous les cas, vraiment les lapins ils kiffent trop. Enfin moi je sais que Bully il adore les tunnels, genre vraiment il kiffe trop ça. Dans le même thème, je lui ai acheté une cabane léopard, bon il y a le pompon qu'il a arraché dedans. Je lui ai acheté une petite cabane comme ça, pareil, qui va avec le tunnel, tout léopard. Franchement j'ai pas pu résister. Et Bully il aime trop les petites cabanes comme ça, il aime trop aller dedans. De toute façon les lapins ça adore se cacher, donc c'est super important de leur acheter plein de petites cachettes. Et ouais, vraiment trop trop belle. Donc j'étais contente, je vais lui mettre ça dans son petit coin, il va être très content, et au moins ce sera assorti au truc léopard. Ensuite, non mais en fait ça c'était pas prévu, tu vois, ça je devais pas l'acheter, sauf que genre je l'ai vu dans les suggestions, et j'ai trouvé ça tellement mignon que bah ça allait tout seul dans mon panier. Genre vraiment, mais j'aime trop, c'est trop chou, je crois que c'est censé être un avocat. Mais vraiment c'est trop mignon genre. Et en vrai il aime bien genre être dans... C'est pas ce qu'il préfère, parce que Bully il aime pas trop non plus les trucs trop en cousin comme ça. Il préfère plus les tapis comme je vais vous montrer après. Mais non vraiment trop mignon quoi. Donc que vous ayez un chien, un chat, un lapin, enfin je vous le conseille quoi. C'est trop drôle et je crois que ça coûte genre 10 €. Et en vrai il est de la même qualité que les trucs d'animalerie. Enfin on en parlait avec Léane, parce que Léane elle a un chien. Du coup on parle beaucoup de nos animaux, etc. Et c'est vrai que dans les animaleries des fois le prix des coussins, mais il y en a genre à 40 €.
là, je l'ai payé 10€ alors que c'est exactement la même qualité. Donc vraiment, enfin, je vous conseille à 10 000%. Et ensuite, je lui ai acheté ce tapis tout rose comme ça. J'aime trop le rose, vraiment. Enfin, merci Manon, tout le monde le sait. Mais non, vraiment, je me suis dit, ça va être trop beau. Et Bully, il aime trop. Ben, en fait, c'est tout fin. Parce que comme je vous disais, ouais, en vrai, Bully, il aime pas trop les petits paniers. Voilà, j'arrive plus le mot. Les petits paniers, c'est pas ce qu'il préfère. Il aime bien des fois les dents, mais en vrai, il reste pas trop. Alors que les tapis comme ça, un petit peu fin, il aime bien. Parce qu'au moins, il glisse pas dedans. Et souvent, il fait sa toilette dedans. Genre, je sais pas pourquoi, il se met tout le temps sur ses petits tapis comme ça pour faire sa toilette. Et ouais, celui-ci, il est tout en moumoute rose. Donc, trop beau. Pareil, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 8€. Il est quand même assez grand. Donc, trop bien. Et ça, je vais peut-être le mettre chez mes parents, je pense, parce qu'en soi, il a déjà plein de tapis pour ici, donc je vais voir. Mais ouais, je pense que tout ce qui est rose, je vais mettre ça chez mes parents et je vais garder le reste pour chez moi. Ensuite, j'ai acheté deux couvertures, je les ai même pas ouvertes. Donc bah écoutez, on va ouvrir ça ensemble. Ça, ce genre de petite couverture, j'aime bien mettre souvent dans sa caisse de transport. J'ai également acheté ça pour mettre dans son lit. Vous savez, je lui ai acheté un petit lit à Ikea, vraiment trop mignon. Et ouais, vraiment, elle est trop belle cette petite couverture. Je me demande si je vais pas le mettre dedans. Et il y a plein de petits lapins dessus. Donc clairement, j'ai pas pu résister. Trop chou. Donc ça, j'adore. Et puis pareil, bah, il aime bien. Bah, comme vous le savez, les lapins, ça glisse beaucoup sur le parquet, sur le carrelage et tout. Ça, je lui mets plein de tapis et tout. Parce que bah au moins, il est mieux, quoi. Parce que sinon, il court pas trop et tout. Donc c'est mieux de leur mettre plein de tapis. Et ensuite j'ai acheté cette couverture, donc ça à la base c'était vraiment pour mettre dans son lit. Ce qui est chiant, c'est que la couleur c'était aléatoire et moi j'aurais préféré avoir du rose ou du bleu, et j'ai eu du gris, donc bon, je suis un peu déçue, mais bon écoutez, c'est très sympa quand même. Donc elle est toute en velours comme ça, et ouais, puisque vraiment moi j'aimais pas trop la couverture qui était vendue avec le lit Ikea. Par contre elle pluche, en plus j'ai un pantalon noir, non mais l'état de mon pantalon c'est une catastrophe, mais ouais vraiment parfait. Et je l'ai payé 2€, donc ça vaut le coup, même pour mettre dans sa caisse de transport ou autre, ça va être parfait. Donc ça, je ne l'ai pas encore ouvert et je vous le dis, je ne vais pas l'ouvrir tout simplement parce que j'ai acheté en fait une petite cabane. Sachez que j'ai déjà cette cabane mais avec un autre motif, je vais vous mettre la photo juste ici de celle que j'ai. Et Bully vraiment l'adore, enfin comme je vous ai dit, les lapins ça adore se cacher, donc il adore aller dans ces petites cabanes comme ça. Et en fait j'ai acheté celle-ci tout simplement pour qu'il soit dans mon thème de Noël. Oui je sais, je suis grave, j'accorde les accessoires de mon lapin à mon appartement. Mais écoutez, j'adore Noël, c'est très important pour moi. Et quand j'ai vu cette petite cabane avec les petits sapins, je me suis dit mais je suis obligée de l'acheter comme ça, genre ça va être trop drôle, même Bully il aura son coin de Noël. Donc voilà, j'étais très contente. J'imagine la tête de mes parents quand ils vont voir cette vidéo, mais je me dis ils vont vraiment m'envoyer un message en me disant mais tu n'as pas autre chose à foutre de ton argent. Non, non, c'est ma priorité. Non, par contre, en vrai, sans rire, les gars, j'en profite pour vous le dire, ce n'est pas une vidéo en collaboration avec Shein. Hein. J'ai vraiment tout payé moi-même. Bon, en vrai, j'en ai pas eu pour cher, j'ai dû en avoir pour genre 50€. Et j'ai utilisé mon propre code promo parce que, comme vous le savez, je suis quand même en collaboration avec Shein pour les vêtements. D'ailleurs, ce haut, c'est un Shein, il est trop beau, je l'adore. Je vous le présente prochainement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Je vous le mets juste ici, j'ai eu moins 15%. Donc, ça peut toujours être intéressant, étant donné que déjà, c'est pas très cher. Mais là, ouais, Bully, à un moment donné, par contre, tu as intérêt de prendre soin de tes affaires parce que je ne vais pas te commander 50 000 paniers et tapis toute l'année. Là tu en as encore pour un an. Il est littéralement en train de dormir à côté de moi, je crois vraiment, mais ce lapin me tue. Bon et bien les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est vrai que ça change complètement de ce que je fais d'habitude, mais voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez des animaux, de toute façon j'imagine que vous allez kiffer parce qu'on est tous pareils avec nos animaux, on peut pas s'empêcher de toujours leur acheter des conneries. Et comme je vous dis, en fait, c'est chiant. Comme j'ai un lapin, en fait, les rayons lapins en animalerie, enfin, sont nuls. Hein. Il n'y a pas d'autres mots, sont vraiment nuls. Et les rayons chiens et chats, je trouve que c'est vraiment cher. Donc, je suis contente d'avoir trouvé pas mal de choses qui plaisent à mon lapin, qui sont pas trop chères. Enfin, en vrai de vrai, je pense que Shein, c'est un de mes sites préférés par rapport aux accessoires pour agneaux. Parce que, ouais, finalement, j'avais jamais trouvé autant de choses. Parce que, autant par rapport à la nourriture, etc. Enfin, je vous le partage d'ailleurs. J'adore Hotbox, vraiment, ce site pour les lapins, c'est mon préf. Mais au niveau des accessoires, de tout ce qui est panier, tapis, tunnel, j'avais jamais trouvé de choses aussi sympas à petit prix. Donc ouais, vraiment, 10 sur 10, Shein, vous gérez un truc de dingue. Donc vraiment, si vous avez des animaux, n'hésitez pas à les checker. Je vous mets juste ici l'Instagram de Bully et également mon Instagram à la suite. Vraiment, venez nous suivre, surtout si vous aimez les lapins, allez suivre Bully parce que j'essaie d'être présente à peu près quotidiennement. Je vous partage un peu ses conneries, sa mignonnerie parce qu'il est tellement mignon. Donc ouais, vraiment n'hésitez pas à aller nous suivre, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Vraiment dites moi si vous aussi vous avez déjà testé des accessoires pour animaux sur Shein, dites moi ce que vous en avez pensé, et surtout dites moi si vous êtes tous aussi gaga de vos animaux que moi. En tout cas moi j'ai adoré faire cette petite vidéo, j'ai trop hâte de vous retrouver dans le vlog où j'aménage tout l'espace de Bully. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.